du palais des congrès Sofitel Hôtel Ivoire, de monsieur Laurent Bagbo, ancien président de Côte d'Ivoire. On avait tellement duré dans ça, voilà pourquoi les trafles ont crié. Wow.
Encore une fois, nous allons demander aux invités, à tout le monde, d'acclamer très fort le président Laurent Gbagbo. Plus fort que ça. Bonjour à tous et à toutes, mesdames et messieurs, chers invités, chers congressistes, invités officiels, à vos rangs, grades et qualités, j'ai la lourde responsabilité de conduire cette cérémonie. Notre saine appréciation des réalités du moment doit nous replonger dans notre hier, car notre aujourd'hui déterminera notre demain. Demain la Côte d'Ivoire, demain l'Afrique, je suis Adama Daïko, l'ami personnel du président Laurent Gbagbo. Mais nous tenons à vous présenter toutes nos excuses pour ce retard. Mais c'est un retard important parce que nous allons
le rattraper avec des pas de mouche. Nous sommes samedi 16 octobre. Congrès constitutif. Il prendra fin dimanche 17 octobre. Mais attention, une interrogation. Notre champion entre le 17 juin 2017. Récemment, il est en tournée, il y a fait 17 jours. Et le congrès est venu 2017. Vous me demandez pourquoi le chiffre 17? Parce que nous savons que c'est notre outil, notre cépou et notre coudou, ça fait 17 lettres au total. 17, c'est 1 plus 7 égale 8. 8 comme ivoirien lunette, 8 comme innocent lunette, 8 comme habité lunette. Et comme vous le savez, 3 fois 8, ça donne 24, 2 plus 4, ça donne 6. Oui, il est rentré dans un mois de juin, 6e mois. Mesdames et messieurs, chers invités, nous allons commencer la cérémonie. Des voix plus autorisées et qualifiées que la mienne vous donneront beaucoup de détails concernant la cérémonie officielle. Mais permettez-moi de vous dire que tout à l'heure, nous allons donner la parole à la chefferie traditionnelle du Blocos pour une libation. Ensuite, nous aurons une intervention musicale, une artiste non des moindres, et nous aurons également l'allocution du président du comité d'organisation des partis politiques. Ivoiriens des partis politiques venus des quatre coins du monde ont eu à témoigner leur gratitude, leur soutien et nous aurons quelques-uns qui viendront pour donner leur message. Et nous aurons également des artistes. Nous avons vu le playlist de notre champion, des musiques qui n'est bien par tant d'autres. Nous avons prévu quelques petites surprises. Et ensuite, nous aurons une vidéo qui sera projetée. Voilà, une vidéo qui va retracer un peu l'objectif et le motif de notre présence. Nous aurons également d'autres artistes. Et enfin, le discours, nous aurons la nomination du président du Congrès. Je voudrais qu'on les acclame très fort, s'il vous plaît. Monsieur le président Laurent Gbagbo, beaucoup dans la salle disaient depuis qu'on entend, est-ce que c'est vrai? Le nouveau parti. Mais dès qu'ils m'ont vu à ce pupitre, ils ont dit oui, c'est vrai. On attend. La Côte d'Ivoire, notre pari, a besoin de ses fils et de ses filles. Voilà pourquoi je vais vous demander à tout un chacun de se tenir debout parce que nous allons chanter la Guyanaise, qui est la Côte d'Ivoire, et nous sommes là et debout. La Guyanaise, l'hymne national. Thank you.
Bien, mesdames et messieurs, nos parents du Blocos, les chefs adjoints ont décidé de mettre cette cérémonie sous la protection de leurs ancêtres. Quand nous sommes à Abidjan, nous sommes à Cocody, et quand on dit Adjan, on parle de Brie. Alors, nous allons inviter les chefs Adjan à venir pour la libation. On va les acclamer très fort. Alors, je vais, de temps en temps, avec votre permission, me permettre quelques petites digressions. C'est un moment solennel, c'est vrai, mais la Côte d'Ivoire est un pays quand même de joie, un pays du sourire, un pays de la bonne humeur. Vous savez, la dame dit que lorsque vous voyez un pédier assis autour d'une table en train de chanter, il s'appelle Abeba Benguer. Mais si elle a dit que sa table, alors il est vivant, le pédier. Pas le pédier, s'il vous plaît. Nous avons. Tu vois? Le micro, s'il vous plaît. Ah, les anciens ne vont pas participer. Il s'appelle comment? Oui, salut. On ne peut pas parler. C'est ça la belle Côte d'Ivoire. C'est très bon pour eux.